Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre comment numéroter des pages automatiquement sans la page de garde. Donc tout d'abord vous avez donc ici votre page de garde, vous allez tout en bas de la première page et vous double-cliquez donc sur le pied de page. Vous apercevez qu'en haut il y a l'outil création qui apparaît, donc vous déplacez votre curseur sur la gauche, vous cliquez sur numéro de page, vous sélectionnez soit haut de page soit bas de page, en fonction de là où vous voulez qu'apparaisse le numéro. Vous sélectionnez ensuite un style, donc moi je vais choisir celui-ci. Vous redouble-cliquez pour retrouver votre curseur et là vous allez placer votre curseur au tout début de la première page que vous voulez numéroter. Vous allez ensuite en haut dans les outils, vous sélectionnez mise en page, ensuite saut de page, vous descendez jusqu'à arriver sur page suivante, donc voilà. Ensuite vous allez remonter, redouble-cliquer sur le pied de page, ici. Vous allez cliquer donc dans création sur première page différente, voilà. Vous redouble-cliquez, vous descendez, donc vous vous rendez compte qu'ici il n'y a plus de numéro. Mais vous descendez et vous vous rendez compte que la première page que vous voulez numéroter est numérotée au numéro de 2. Et vous voulez qu'elle soit numérotée au numéro de 1. Donc vous redouble-cliquez sur le pied de page. Vous êtes toujours dans l'outil création. Vous allez sélectionner sur la gauche numéro de page. Ensuite, format des numéros de page. Donc voilà. Ensuite, vous allez sélectionner à partir de 2. Et normalement, le numéro 1 s'affiche. Et OK. Donc voilà. Vous remontez, donc vous avez bien votre page de garde, votre première page, donc au numéro de 1, la seconde page, et ensuite la troisième page. Donc après, ça va numéro, autant de numéros que vous voulez. Donc voilà, merci!